Dieu m'a parlé de toi aussi. Tu vas servir Dieu. Maintenant, ceux qui veulent servir Dieu dans le ministère, je vous donne une rencontre ce soir à 20h. Nous allons organiser les choses. Amen. Amen. Voilà, ce soir à 20h, nous allons organiser les choses, vous expliquer ce qu'on appelle ministère, ce qu'on appelle le discipulat, qu'on donne les disciples, ça veut dire quoi, comment œuvrer avec Dieu. Voilà, il y a tout ça. Donc, c'est ce soir, à partir de 20h, nous avons une grande réunion. Ceux de Zaroko seront là, tous ceux de ceux seront là, et c'est à partir de l'autre semaine qu'ils auront démarré nos activités. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. S'il n'y a pas une forte organisation au sein de ce ministère, malgré l'onction, nous n'allons pas aller loin. Nous n'irons pas loin. Amen. Allez vous asseoir. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Voilà, je remercie le Seigneur parce que les choses sont en train de se concrétiser. Hier, je suis allé voir ma voiture 4x4. Ma voiture est déjà au point et ça, je remercie le Seigneur. La Ismaël, elle sera livrée mercredi. Voilà, j'ai fini avec la voiture 4x4. Pourquoi je dis ça? Parce que ça nous limitait trop en matière de mission. Cette voiture, elle a pris un coup. Ça, là. Une fois surtout dans Bibo, pendant deux semaines, les cartes, les choses sont percées. Il y a un problème. Ma voiture, l'engouement, c'est là-bas. Mais aujourd'hui, Dieu merci que j'ai une 4x4, une Ismaël, elle sera livrée contre le mercredi. Nous sommes à la recherche aujourd'hui, nous prions Dieu pour avoir plusieurs places de Massa. Parce que cette année, à partir du mois de juillet, nous allons commencer les séries d'évangélisation. On n'a pas besoin que tu nous invites dans ton village si on sait qu'il y a trop de mangeurs d'âme. Je ne les appelle plus sorciers, je les appelle mangeurs d'âme. Je les appelle mangeurs d'âme. J'étais la dernière fois à la RTI, le vendredi, pour faire une émission, on va passer une à 10h. 10-11, j'aurais dit, moi, ma nouvelle appellation, comme je voulais sortir, ça vous effraie pas, vous trouvez pas ça important, mangeur d'âme. Quand on dit mangeur d'âme, vous allez vous dire, hey, mange âme. Sorcier mange âme. Donc la vraie appellation, c'est le mangeur d'âme. Et là où il y a le mangeur d'âme, les choses ne vont pas. Et j'aurais dit, nous, on combat la sorcellerie, le développement pénètre. Regardez aujourd'hui, ceux qui prennent la voix de Zaroko, des Dibo à Zaroko, ils sont en train de réveiller la voix de Tidoko. Ils ont commencé à faire la voix de Tidoko. Gloire à Dieu. L'année 2011, on était dans la région de. On appelle. À Fresco. On appelle Raoul Bien. Ceux qui ont regardé les vidéos, les premières vidéos, Raoul Bien. Voilà, c'est mon fils. Ceux qui ont regardé les premières vidéos des Zaroko, de vous là, comment on appelle le village là? Non, pas Boyko. Ah, Boyko. Ceux qui ont regardé les premières vidéos, là, c'est lui qui traduisait, voilà, en Gautier. Dieu merci que tu travailles maintenant ici. Donc, vous voyez l'équipe en train de se rejoindre, tout ça. Et c'est avec eux, quand vous regardez un peu la photo, on allait sur la côtière avec Koubaron. Voilà, décédé maintenant. Voilà, ça va être tout cela. On a fait la mission de Sassandra et il y a eu des grosses choses. Après que lui-même était raélien, il était raélien, il était obligé de croire en Jésus. Moi, je vous remercie, monsieur. Pardon. Non, je vous dis la vérité, c'est à cause de mon ministère, la croix en Jésus. Je vais vous montrer le signe de Raël. Non, montre le signe. Excusez-moi. Hein. Voici un pas qu'il a tiré le diable, ça ici. Ouais, Raël. Voilà. Vous avez regardé. Ouais, non, lui, il ne croyait pas. Il ne croyait pas tellement. Le voici là. C'est dans leur village que j'ai pris le fétiche qu'on appelle le dragon. Dans leur village, ça, c'est sous leurs yeux. Je suis allé même déterrer la chair humaine à Nyango 1. Donc, les choses extraordinaires, même le dragon, personne ne pouvait le maîtriser. C'est ça qui l'a amené à la croix. Voilà, à la croix, la puissance de Dieu. Voilà, puis avec la seringue. Alors la seringue, c'est devant eux, tout s'est sorti. Donc lui, ça n'a pas fait. Pourtant, Jésus, on enseignait les rails là, que Dieu n'existe pas. Donc il a commencé à voir la puissance de Dieu à l'œuvre, ça l'a amené à la conversion. Donc, bon séjour, je pense que tu seras un papa avec nous. Voilà quoi, Dieu. Amen. Voilà quoi, il faudrait que l'église
Notre ministère puisse gagner au maximum de personnes à Jésus. Et c'est ça. Cette année, nous allons mettre beaucoup l'accent sur l'évangélisation et sur l'encadrement des âmes. Nous allons mettre beaucoup l'accent sur l'encadrement. Parce que, il faudrait que vous soyez suivis. Et ce soir, nous allons commencer à nous organiser. Nous allons nous organiser en ce qu'on appelle les cellules de famille. Si les personnes viennent, nous allons prendre les quartiers de niveau. Les quartiers de niveau. Il y aura des représentants dans chaque quartier de niveau. Après, quand quelqu'un vient faire le culte ici, on doit avoir une idée de cette personne. On suit cette personne. Amen. Le humain est suivi à cette terre. On va vous suivre. Peut-être qu'on puisse vraiment vous suivre pour faire grandir dans la foi. On peut se limiter seulement à des délivrants seulement. Vous partez vos délits, vous partez vos délits. Il faudrait que quelque chose soit en vous. Donc vraiment, il y a un grand boulot qui attend de se faire. Et j'invite tout le monde ce soir, ceux qui aimeraient faire partie de ce ministère, déjà en France, nous avons déjà un pasteur Poissy. Voilà, Jésus Paris, il y a bien une église. Voilà, donc tous ceux qui vont quitter ici, on est en France, ils sont avec le pasteur Poissy à Paris. À Abidjan, on a commencé déjà, ici deux jours, on a commencé à constituer quelque chose comme une cellule, une rencontre à l'autre d'Abidjan, tous les dimanches soirs. Ceux qui viennent ici, on se rencontre là tous les dimanches soirs, on a bien les pasteurs là, ils attendent nos feux verts pour déclencher ça. Parce que c'est vraiment important d'être suivi. Si vous n'êtes pas suivi, il sera difficile. Ceux de la vision, ils doivent savoir que telle personne a telle chose, elle est venue au niveau de Ivo. On n'a pas, il y a telle chose qu'on ne va pas venir dans leur vie. Je suis à Abidjan, je dois rendre visite à telle personne, telle chose. Tellement bien organisé pour que tout le monde soit satisfait. Amen. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse. Cette année 2015 est une année de victoire. Une année de concrétisation de beaucoup de choses. Il faudrait que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, donc voici un peu. On va plus d'informations, soyez là ce soir. Pour ceux qui veulent faire partie du ministère, venez ce soir. Ceci est pour le Seigneur. Je vais avoir plus de temps. Je vais avoir plus de temps. Vous savez, arrivé au moment du ministère, on est tellement occupé, on n'a même plus le temps pour chercher Dieu. Et ça diminue l'option de nos vies. Donc j'ai prié Dieu, j'ai dit, il faut que j'ai assez de temps. Donc ce soir, nous allons organiser avec mon service, l'administration, que j'ai du temps. Même qu'on m'oblige ces jours-là à aller prier. Voilà. Pour que quand quelqu'un vient ici, même si les paralytiques doivent marcher, j'ai trop de. Les miracles sont ralentis. Ils sont trop ralentis. C'est trop ralenti. Je connais. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Voilà, je sais. Ça va chez Narcisse, elle est guérie, très bien, elle donne à manger à sa famille, ah, ça va chez elle maintenant, bien même, il avait sa nièce qui était tellement folle, on l'a envoyé, je dis aux gens, même moi ça va le temps, j'attends de me donner 4 ans. Je n'ai pas d'autre chose à faire. Quelqu'un se présente devant moi. Je lui montre qui est-ce. Je lui montre qui est-ce. C'est ça. C'est ce qu'on va essayer de créer au niveau d'ici. Avoir assez de temps. Je demande à ceux qui veulent aussi faire partie du groupe musical. Vous pouvez se signaler. Parce que nous sommes en train d'organiser aussi ce secteur. Organiser cette année-là, ça serait du groupe. Nous allons sortir pour faire des veillées dans d'autres salles. À part ici, dans d'autres salles de Tigo, et toute la région sera directement gagnée à Jésus. Amen. Et sera directement gagnée à Jésus. Et que vraiment Dieu vous bénisse, chacun de vous. Chacun va dire merci à Dieu. Et vous dire, Seigneur, amène-moi cette rencontre. Amène-moi la rencontre des gens. Ceux qui doivent me bénir financièrement. Mon mari, là, il doit bénir. Ma femme doit bénir. Oui, il y a des gens, des rencontres. Prions ensemble le Seigneur. On va commencer à prier. On ouvre la bouche, on prie, on ouvre la bouche. Nous prions le Seigneur, nous prions. Nous voulons te prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci notre Dieu, notre roi. Nous voulons te prier. Nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta Seigneurie. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Nous te rendons toute la gloire, à toi seul la gloire, notre Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es vivant. Merci pour ta fidélité.
notre Dieu. Merci, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Yahvé Shabbat. Yahvé Jireh, tu es notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour la manifestation de ton pouvoir. Merci pour les rencontres, Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci. Merci de créer encore des rencontres. Des rencontres, Jésus. Des rencontres, Jésus. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous t'avons prié, on dit Amen. Amen. Et le dimanche prochain, et où soit, c'est un dimanche où chacun apportera une offrande à Dieu par rapport à la nouvelle année. On a voulu faire ça le 30e, mais hélas, puisque c'est le jour où les gens dépensent beaucoup. Mais le dimanche prochain, chacun doit envoyer une offrande à Dieu. Une offrande par rapport à la nouvelle année. Amen. Une, ce qu'on appelle une offrande de reconnaissance à Dieu. Une offrande de reconnaissance à Dieu. J'en profite en même temps pour donner le numéro, s'il te plaît. Le numéro du pasteur Poissy depuis Paris. Voilà. Pour ceux qui sont en France, vous prenez 07 61 64 10 10. Je réponds. Pour ceux qui sont en France, c'est le 07 61 64 10 et 10. Le pasteur Poissy. Pour ceux qui sont un peu dans les pays européens, qui aimeraient rentrer en contact avec le pasteur Poissy, qui sont en train de préparer mon arrivée sur Paris, il y a une église et qui est aussi dans le domaine de la délivrance, parce qu'il faudrait qu'on puisse vous suivre. Il y a des gens qui viennent ici, qui n'ont même pas d'église où aller à Paris, voilà, qui n'ont même pas d'église, qui restent à la maison, pourtant la chrétienté c'est le suivi. Vous prenez plus 300, 337, plus 337, 61, 64, 10, 10. Plus 337, 61, 64, 10 et 10. Je réponds, plus 337, 61, 64, 10, 10. Nous avons décidé comme ça de suivre les personnes qui ne viendront pas seulement en Côte d'Ivoire pour faire une visite, mais après la Côte d'Ivoire, qui seront même suivis au-delà de la Côte d'Ivoire en France, parce que c'est ça, il faudrait qu'on puisse vous suivre, qu'en France, que ce soit en France, que ça soit dans un pays, que vous soyez en mesure de fréquenter l'église pour être enseigné. Amen. J'en profite en même temps pour vous annoncer notre arrivée au Maroc. C'est confirmé. C'est pour le 16. Nous partons ici, nous serons à Casa. Le 16 à Casa, à l'aéroport de Casa. Nous serons logés à l'Ibis Casa Voyageurs. À l'Ibis Casa Voyageurs, il y a plus de déjà une cinquantaine de personnes qui ont commencé à nous appeler. Il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont commencé à prendre des réservations à l'hôtel. Il y a deux jeunes qui veulent déjà venir de l'Europe. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Ils disent que si on vient en France, à cause du fait que nous sommes très vus et connus en France, ce n'est pas facile, ce ne sera pas facile pour nous de les recevoir. Donc ils préfèrent déjà venir au niveau des Maroc. Moi, je ne trouve pas de ça un problème. Je ne trouve pas de ça un problème. Vous pouvez venir au Maroc. Nous serons à des Casa Voyageurs. Il y a beaucoup d'hôtels qui disent, mais nous serons à l'hôtel qui disent des Casa Voyageurs. Où se trouve le train qui part à Rabat. À Casa Voyageurs. Nous serons à l'hôtel qui disent des Casa Voyageurs. Vous appelez, bien sûr, mes numéros. Vous appelez le 06, le 03, 31 11. Ça, c'est mon numéro depuis la Côte d'Ivoire. Le 06, le 03, 31 11. Pour avoir plus d'informations par rapport à cette rencontre, il y aura une rencontre de prière à Casa. Nous allons avoir une rencontre de prière à Rabat. Nous allons avoir une rencontre de prière à Marrakech, dans la trois villes du Maroc. Et merci déjà pour ceux qui se mobilisent pour l'accueil. On a eu déjà des coups de pluie des personnes résidant au Maroc, des Ivoiriens, qui ont décidé de nous accueillir le 16 à l'aéroport de Casa. Merci déjà pour ceux qui sont déjà mobilisés à le faire. Cette année, nous allons faire beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Nous serons encore à Paris, par la grâce de Dieu, à Paris dans le mois de février. Ils ont eu une rencontre hier samedi. Et on a fait le retour de cette rencontre. Merci parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à adhérer. Il faut dire que déjà la France, quand nous regardons sur le YouTube, nous avons hier 56 000 vues de nos vidéos. Nous avons une chaîne de télé pour dire en France, les gens suivent nos activités. D'autres n'ont pas les moyens. Faites comment faire pour venir en Côte d'Ivoire, pour rencontrer ce ministère. Bon, pour nous, ça serait pour nous une occasion pour vous de nous rencontrer sur place là-bas et faire vos délivrances. Donc, rentrez en contact déjà avec le comité d'organisation. Par la grâce de Dieu, nous serons bien sûr
dans le mois de février. Dieu merci pour Augustin. Quand j'ai trouvé un appartement, j'ai trouvé une maison pour héberger déjà ceux qui arrivent.